La mission du ministère de la Santé s'articule autour de l'amélioration des conditions sanitaires sur la base d'un système intégrant les couches des familles les plus vulnérables de la société, les populations pauvres et indigentes, en favorisant les populations rurales, les régions déshéritées et enclavées. Le chef de l'État, dans le souci d'atteindre cet objectif, a mis en place une stratégie nationale pour répondre à cette préoccupation régalienne. Depuis, en effet, l'avènement au pouvoir du Dr Yayi Boni, le secteur de la santé a connu une évolution, voire une révolution significative, aussi bien sur le plan des infrastructures, du plateau technique que des ressources humaines. Des grands travaux ont été entrepris depuis 2006 jusqu'à 2010. Et certains sont visibles, d'autres sont en cours de l'être. Je voudrais dire que la première étape, c'est d'abord les hôpitaux de zone et les hôpitaux départementaux. Et si vous allez à Lokusa, vous voyez le CHD qui est bien réaménagé. Et si vous allez à Lomé, c'est en cours. Et le CHD de Parakou s'est programmé. Et le CHD d'Abomé, ça a été programmé, ça a été fait. On est en train de réaliser autre chose pour la pédiatrie. Et à Parakou, quand vous traversez, vous venez de Cotonou, vous voyez à gauche ce qui se passe là, en entrée de Parakou. Vous voyez un bâtiment flambant neuf. Donc, il n'y a pas que les infrastructures, mais aussi le souci des équipements. Une manière pour le gouvernement d'offrir aux populations des espaces de soins aux normes sur toute l'étendue du territoire national où s'offrent des prestations sanitaires de meilleure qualité. Oui, la priorité, c'est l'état de santé de tous les Béninois. Et en particulier, les plus vulnérables, c'est les indigents. Ce qui est certain, la volonté y est et les ressources pour l'accompagner sont mises de côté pour le faire. Une volonté et des ressources traduites en réalisations tangibles partout dans le pays. Ainsi, que ce soit à Cotonou, la capitale économique, Porto Novo, la capitale politique, Abomé, Parakou, Lokusa, ou dans les zones rurales comme Sado, dans le département de l'Ouémé, Zakota, dans le Zou, Madré, dans le Koufo, Kérou, Niamanson, dans le Nord et autres, les infrastructures d'accueil des malades et des équipements de qualité sont désormais disponibles. Ici, nous sommes au centre de santé de l'arrondissement de Madré, dans la commune de Togo. Et c'est un centre de santé qui a été construit nouvellement par le gouvernement sur le PDRH. Et ce centre que vous voyez est composé d'une maternité, d'un dispensaire, d'un logement et des dépendances. Les bâtiments sont bien résistants parce qu'il y a eu un contrôle permanent sur le chantier ici. Et le projet a recruté un cabinet qui a affecté un contrôle permanent. Et nous aussi, notre service est régulier ici. Les bâtiments sont bien exécutés, les précisions techniques sont respectées. C'est un bâtiment solide. Comme ce centre que vous voyez, nous en avons 11 dans le département. Au nom de la commune d'Aplahoué, nous avons eu la construction du centre de santé d'Azové. Un agrandissement de plus de 30 000 âmes n'avait pas de centre de santé urbain. Donc, grâce au gouvernement, nous avons pu construire ce centre qui est flambant neuf, qui a démarré ses activités depuis avril 2010. Dans le CNHU de Cotonou, mon service est celui qui s'occupe d'accueillir et de traiter tous les cas graves qui arrivent ici en urgence. Au niveau du SAMU, c'est la prise en charge préhospitalière de ces patients. C'est-à-dire que nous allons les chercher chez eux, dans les hôpitaux, au stade, au marché, enfin n'importe quel endroit où la détresse est arrivée. Et nous leur donnons les premiers soins et nous les transportons en sécurité médicale jusqu'au CNHU
ou ailleurs. S'il arrive dans un service des urgences au CNHU, c'est ça là où nous nous trouvons, la clinique universitaire d'accueil des urgences, qui est un service tout nouveau, qui date d'il y a à peine un an, qui a été nouvellement construit, équipé par le gouvernement pour faire face aux urgences. C'est un projet qui a été initié il y a longtemps, au temps de Madame le ministre Candice Sounon, parce qu'on s'est rendu compte que l'ancien service des urgences ne répondait plus aux besoins des populations de notre pays. Cet hôpital CNHU a été construit en 1963. Il y avait 300 000 habitants peut-être à Cotonou en ce moment. Nous dépassons largement le million d'habitants aujourd'hui. Donc, il y avait une inadéquation entre les possibilités d'accueil du service des urgences et les demandes quotidiennes. Il faut savoir que en matière de traitement des urgences, notamment des grandes urgences, il n'y a malheureusement qu'au CNHU qu'on peut les traiter. Il n'y a aucune clinique à Cotonou capable de prendre en charge un malade dans le coma. On n'a aucune clinique à Cotonou capable de prendre en charge un malade qui est en détresse respiratoire, parce qu'il faut des respirateurs, des appareils qui marchent automatiquement. Il faut des défibrillateurs, des appareils qui permettent de ressusciter les malades en crise cardiaque. Et tout ça, ça coûte très cher, les cliniques n'y arrivent pas. Les autres hôpitaux d'ailleurs, parce qu'il y a des formations sanitaires à Calavi, à Sourouléré. Et donc tout est déversé sur le CNHU, qui reçoit tout 24 heures sur 24 et 365 jours dans l'année. Il fallait aboutir à cette construction. Le gouvernement a fait ce projet, il l'a mené jusqu'à son terme. Nous avons eu un certain nombre d'infrastructures implantées au niveau de nos zones sanitaires. Nous avons déjà le dispensaire isolé de Toko Toko qui a été entièrement réalisé et mis en fonction depuis pratiquement donc le 20 juin 2010. Nous avons le laboratoire qui a été donc réalisé avec la coopération japonaise. Nous avons le dépôt répartiteur qui a été donc réalisé sur financement budget national qui est fait. Nous avons également le CHD donc Donga qui est donc en construction, où certains lots sont achevés, d'autres ont été entamés, certains sont également en cours donc d'achèvement. Nous avons également comme chantier en cours le chantier de construction du dispensaire isolé donc d'Anoum qui est actuellement au niveau d'Al. Sur l'ensemble du territoire, les constructions non achevées sont en voie de l'être. Si pour certains chantiers le délai contractuel court toujours, pour d'autres, la lenteur dans l'exécution des travaux est parfois due aux caprices des entrepreneurs. Ici, nous sommes devant les laboratoires en chantier, chantier abandonné depuis quelques mois. De l'autre côté, c'est le bloc administratif abandonné aussi. C'est le même entrepreneur qui a la charge des deux bâtiments. Au centre hospitalier départemental du Jouet des Collines, le ministère de la Santé, compte tenu de certains besoins de ce centre, a eu à initier des projets de construction d'un bloc gynéco-obstétrique et d'une unité de dialyse. Et ces deux chantiers sont actuellement en rupture parce que les différentes entreprises ont eu à faire des attachements, mais qui n'ont pas pu être payés compte tenu de la situation du SICFIP qui n'a pas encore ouvert jusqu'à présent. Quand on avance des raisons comme ça, moi je ne suis pas d'accord. Parce que quand un entrepreneur soumissionne à un appel d'offres, il doit être sûr même de terminer le chantier sans avant de démarrage. Mais qu'est-ce que nous constatons dans le pays? Les gens, ils ont la bouche mielleuse. Oui, nous avons les moyens, mais aussitôt le contrat signé, on constate qu'en réalité, ils n'ont réellement pas les moyens. C'est deux types d'ouvrages. Les ouvrages confiés à maître délégué posent moins de problèmes. Mais les ouvrages confiés à des individus qui n'ont pas une surface financière importante, c'est là que ça pose problème. Il y en a qui touchent les avances, 30% des démarrages, mais n'ayant pas une surface financière, il ne peut même pas démarrer. Il y en a qui démarrent et en cours de chemin, ils sont essoufflés. Tous ceux qui ont des travaux en chantier, on les a invités à fournir leur demande d'acompte. S'ils ont déjà eu
l'avance de démarrage. Il y en a beaucoup. Beaucoup ont eu les avances de démarrage. Mais ceux qui sont en train de terminer les chantiers, on leur a demandé de déposer les acomptes pour que le gouvernement puisse s'occuper de cela. À quelques spécificités près, ces caprices s'observent aussi chez les fournisseurs d'équipements. Si c'est un équipement de radiologie mobile que nous avons reçu en 2010, un équipement qui malheureusement n'a pas fonctionné pour plus de 5 jours, c'est un équipement qui est sous garantie. Donc nous, en tant que techniciens, nous n'avons pas le droit de toucher à ça. On ne fait qu'appeler le fournisseur. Bon, le fournisseur était venu en temps, il a été obligé de nous remplacer l'équipement par un autre équipement. Malheureusement, l'autre équipement aussi, quand c'est arrivé, on n'a pas pu l'utiliser. Il y a 6 marchés comme ça qui nous ont posé d'énormes problèmes. Et nous avons dû introduire une communication au Conseil des ministres pour rendre compte de cet état des choses. Le gouvernement a décidé que tout entrepreneur qui livre de ces qualités sont désormais exclus du marché, sauf s'il répare tout ce qu'il a été gâté depuis lors. Et nous sommes sur ce point-là. Il n'y a pas que Porte Nouveau Serre. Il y en a à Vanikoura, il y en a un peu partout. Pour résoudre cette question-là, nous avons reçu des instructions du chef de l'État que désormais, eh bien, les instruments seront commandés aux maisons mères directement. Des infrastructures construites en vue de rapprocher les soins de santé des populations, mais aussi pour mettre les agents de santé et responsables administratifs à divers niveaux du système sanitaire dans de bonnes conditions de travail. En temps de pluie, cette voie n'est pas carrossable. Il y a des zones qui sont vraiment glissantes et il y a d'autres où il n'y a que des escaliers. Donc pratiquement, il y a des difficultés pour rejoindre les zones où il y a des centres de santé au bord de la route. Les populations sont obligées de se terrer à l'intérieur. Donc s'il n'y avait pas de centre de santé dans cette zone, les populations vont souffrir. Ou bien passer dans la brousse pour rejoindre d'autres arrondissements comme Zatanta, Zasanli, Tindji. Et comme à Rungomé, le centre de santé de Zakuta était abrité par un seul bâtiment entre-temps. Avec la programmation au niveau du ministère de la Santé, le gouvernement a financé la reconstruction entière de ce centre de santé. Comme la plupart des directeurs qui sont dans l'OCOSA, et on a chacun un logement administratif. Mon prédécesseur, en arrivant, il a réfectionné. Je suis arrivé, j'ai réfectionné, mais ça ne marche pas. Nous avons demandé à ce qu'on reconstruise. Et ce qui est fait, nous remercions le gouvernement pour l'effort qu'il a eu à faire, parce que la série de réfections revient plus cher qu'une construction. Des constructions, mais aussi des réhabilitations. Exemple, les CHD Monokoufo, Wimé Plateau, le service de réanimation du CNHU, l'hôpital confessionnel Saint-Camille de Dobo, des centres de santé dans les zones reculées ou encore des bâtiments administratifs, etc. L'hôpital avait eu des problèmes entre-temps, si bien que c'est fermé pendant un moment. Et après, avec le ministère de la Santé, on a repris les activités avec la réhabilitation de ce bâtiment. Il y a les murs qui étaient sales et autres, ils ont refait les peintures, les calorages. Les toits aussi qui sont refaits avec les plafonds. Il y a aussi les brasseurs qui sont installés, les climatiseurs dans les bureaux des médecins et aussi au laboratoire. Nous avons la réhabilitation, un certain nombre de réhabilitations qui ont été faites. À savoir, le service de médecine a été réhabilité, le service de radiologie a été réhabilité, 2 bâtiments de logement, pour ne pas dire 3, parce que le troisième est en train d'être réhabilité actuellement. Les 3 logements sont en train d'être réhabilités actuellement. C'est une réflexion qui est en train de se faire au niveau de ce bâtiment. Au fait, à l'intérieur, on avait un certain nombre de consultations qui se faisaient. Mais il y a des
des spécificités qui étaient rentrées en jeu. On n'avait pas de local où pouvoir mettre ses bureaux et pouvoir abriter ses médecins. Donc c'est pour cela qu'on a profité du cadre de la réhabilitation pour pouvoir créer encore un certain nombre de bureaux. C'est prévu à l'intérieur une grande salle de réunion pour les médecins, un réfectoire, un certain nombre de services auxquels ils n'avaient pas accès à l'avance, quoi. En face de vous, il y a toujours le bâtiment de la médecine interne. C'est un bâtiment qui est subdivisé en deux pavillons. Il y a le pavillon A et le pavillon B. Et c'est l'aile B qui est en train d'être fait maintenant. Outre les infrastructures, des équipements haut de gamme ont été acquis à l'image des scanners, de la literie, du matériel de laboratoire, des outils qui rendent les prestations sanitaires plus rapides et plus efficaces dans les blocs opératoires. Les appareils pour l'échographie, les instruments pour les soins d'urgence, du matériel roulant, des kits de césarienne, etc. En tout cas, en termes de matériel, honnêtement, je crois que depuis 3 ans que je suis là, on est assez gâté et ça permet à ce que le travail vienne. Pour notre service ici, nous avons un cadre de travail qui est tout à fait différent de ce que nous avons vécu il y a à peine un an encore. Nous avons des équipements qui nous permettent de prendre en charge les détresses vitales et d'éviter beaucoup de morts. Donc il y a un impact réel de l'ouverture de ce service dans nos conditions de travail. Tous les jours passant, on constate que beaucoup d'efforts sont faits au niveau du gouvernement afin que satisfaction puisse être donnée. Nous avons en gros aujourd'hui une couverture en formation sanitaire qui est beaucoup améliorée par rapport à ce qu'on a il y a 5 ans. Et l'État tient compte quand même de nos besoins, surtout avec la manière de disposer les crédits au niveau des départements, de tenir compte en gros des besoins qu'on a eu à manifester. D'ailleurs, nous militons pour d'ailleurs. C'est pour la première fois que je suis les consultations ici. Concernant les nouveaux bâtiments, les bâtiments étaient bien conçus, c'est bien fait, c'est propre, il y a tout. Les escaliers aussi, la manière dont ils ont fait, on ne monte plus les escaliers, c'est très bien, tout est nickel. On aimerait que la prochaine fois, pour construire des bâtiments de tel genre, de pouvoir des douches et des toilettes à l'intérieur. Là, ça va nous faciliter la tâche et d'aller faire des films en attente autour. Je viens de la dilatation et là-bas, je vois qu'il y a beaucoup d'appareils. Donc, je vois qu'il y a plein de nouveaux instruments, de matériel. L'impact est donc réel et parmi les facteurs qui permettent ainsi de relooker les formations sanitaires, l'on évoque le patriotisme des acteurs. Quoi qu'on dise, on a encore certains patriotes qui travaillent jour et nuit pour améliorer le niveau de santé de la population.
dans toutes les directions départementales de la santé, dans tous les hôpitaux, dans tous les hôpitaux des zones, dans tous les hôpitaux départementaux, ceux qui ont mis de la bonne volonté pour que le travail avance, on a vu les résultats. À côté du patriotisme, on doit noter la collaboration et la solidarité intergouvernementale, auxquelles s'ajoute le dynamisme de la coopération entre le Bénin et ses partenaires techniques et financiers. Un partenariat dynamique, dont les fruits en infrastructure dans le secteur santé ces dernières années en ont. Hôpital d'amitié entre la Chine et le Bénin à Parakou, ou encore le nouveau bâtiment de l'hôpital de la mère et de l'enfant au Mali, un don du peuple japonais. Vous savez que la diplomatie béninoise, à un moment donné, les gens disaient qu'elle ne marche pas. Et quand le président de la République, Dr Boni Yayi, est venu au pouvoir, il a voyagé, il a beaucoup voyagé, et surtout en direction du Japon et de la Chine. Et c'est là que les accords de coopération ont été noués, davantage ont été resserrés. C'est le fruit de la coopération. De la diplomatie menée par le chef de l'État lui-même qui a fait que l'OMEL que vous avez voyé a été rénové. Et nous pensons de même que l'hôpital chinois ne sera pas le dernier. Ces investissements très très lourds et le niveau d'économie du Bénin ne peut pas faire face seul à ces investissements qui sont lourds. Il y a la contrepartie béninoise qui vient quand tous ces accords-là sont signés. Donc, il faut vous habituer à voir sous peu un certain nombre d'infrastructures dues à la coopération internationale. Jusqu'à présent, tous les travaux seront finis, c'est-à-dire le gros œuvre, la peinture, l'enduit, tous les travaux seront finis. Et maintenant, ce qu'on a fait, on est en train de faire le texte pour l'équipement. L'évaluation que nous pourrons faire donc, de l'hôpital, au niveau de l'hôpital de la mère et de l'enfant est assez positive en infrastructure, en équipement et dans une certaine amélioration, dans une certaine vision en ressources morales. D'abord, par rapport aux infrastructures, le budget national a fait un effort d'investissement. À l'investissement du budget national, c'est venu ajouter l'investissement donc des partenaires japonais à travers le projet de renforcement de l'hôpital de la mère et de l'enfant, pour lequel nous avons bénéficié d'environ 6 milliards 5 des partenaires japonais et en matière d'encore de contrepartie béninoise, plus d'encore de 2 milliards. Toute la partie donc qui concerne les Japonais a été libérée. La preuve, les bâtiments sont construits, entièrement équipés et mis en service depuis le 13 janvier 2010.
Même si des efforts restent à fournir au niveau de la formation et du déploiement du personnel suffisant pour ces centres de santé, l'on admet aujourd'hui, au regard du chemin parcouru en 4 années du régime du changement, qu'un rêve d'optimisme est désormais permis.